briser la cervelle. Ah. Oh, oh. C'est pas ce que tu crois, c'est juste que là on vient de faire un jeu, et dans ce jeu là, normalement le méchant n'avait pas le droit de passer par les conduits. Attends, mais ça a l'air super compliqué. Non, du coup, je... Quoi plus sage ou le Seigneur te punira encore, mon enfant. Ah, je dois vous appeler Seigneur, c'est ça, alors. Oui, je... Ah, c'est joli, graphiquement. Bien bien serré tout ça. Attends, c'est ça l'été brouillard. Ça va pas ou quoi? Oh, la gueule du mec, c'est un spectre. Ah oui, ah, ça commence, c'est le neighbor, déjà, ça commence direct. Je sais même pas ce que c'est, ce perso. Ah, ça y est. Je dois être sage. Je suis Kiki Cooper et je serai sage. Allez, il faut l'écrire. Encore une autre ligne et une autre. Il faut l'écrire plein de fois. Je crois qu'on est puni. C'est ça. On est complètement puni. Hein. Échappez-vous de l'école avant que Madeline, la nonne diabolique, ne vous attrape. Bah vas-y, hein, écoute. Hein. À toi. Mais non, vas-y toi. Hein. Moi tout à l'heure j'ai joué là, c'est à toi un peu. Oh bah, j'ai une question. Elle nous bat ou pas? Parce que vu que le taux de sang qu'il y a dans la pioule, là... Oh, les tiroirs, ils brillent. Oui. C'est quoi ce bruit? C'est elle qui fait ce bruit, là? Bah ouais. Bah, à quoi ça sert de se cacher alors que j'ai le droit d'être ici, non? J'ai vu passer à droite, mais... Faut passer par le dessous, en fait. Non, mais non, ça a l'air sympa, en tout cas. Oh, c'est glauque. Elle a toujours une masse à la main. Comment Where ça se does passe it come from? Attends, quoi? Non, non. Je vais te briser la cervelle. Ah. Oh putain! Oh putain! En fait, c'est pas ce que tu crois, c'est juste que là on vient de faire un jeu, et dans ce jeu là, normalement le méchant n'avait pas le droit de passer par les conduits. Attends, mais ça a l'air super compliqué. Non, du coup, je... Quoi plus sage ou le Seigneur te punira encore, mon enfant. Ah, je dois vous ah c'est pour Seigneur, ça le sang ça, alors. Oui, je... À jour 2. Attends, on me dit attention, on entend tous les bruits. À coup. Mais putain, ma trauma crânien. Mais j'étais pas prête. Je dois être sage, je suis Kiki Cooper. Et je serai sage. Bon, on va la jouer autrement. Hein. On va passer par la porte, hein, puisque apparemment, ça sert à rien de passer par les conduits. Ouais, grave. Ça. Vous n'êtes pas la première victime de cette tromperie, je vais vous aider à vous en sortir. Si vous me promettez de suivre mes conseils jusqu'au bout, faites-moi confiance. Elle va me péter la gueule, là. J'ai entendu Hammer. Ouais, moi aussi. Je crois qu'elle a dit qu'elle allait nous péter la gueule avec son gros marteau. Non, je crois qu'elle a dit qu'on allait faire un petit peu de... Bah en fait, j'ai l'impression que tu peux plus t'arrêter dans ce jeu dès qu'elle te poursuit. Oh. Ah bah oui, d'accord. Mais attends, c'est un labyrinthe ton truc là par contre, donc quoi tu m'as encore embarqué? I can't wait to put a mask on your stupid face. Non mais je pense que si, on allait faire un peu de bricolage plutôt, c'est tout. Mais c'est horrible. Et voilà, je suis caché. Allez, c'est à toi. Tab, journal de quête. Traverser le pont, trouver 3 fusibles et placez-les dans la boîte à fusibles du 2e étage pour remettre le courant et ouvrir la porte en métal. Vous en trouverez un dans la cuisine, un dans la salle à manger et un dans la chambre d'une nonne. Donc c'est bien, ah, il nous donne les infos. Les infos, mais c'est trop simple en fait. Regardez en haut. Après avoir traversé le pont, dans la pièce voisine de l'entrée principale de l'école, suivez les indications du tableau. Vous aurez besoin d'un objet long. Boîte de cookies. Elle doit contenir quelque chose d'important. Impossible de l'ouvrir. Peut-être faut-il la faire tomber d'un endroit le plus haut possible. Ah bah. Moi c'est surtout le côté indication du tableau où je me dis si c'est à base de... Je serai gentil. Je suis qui Lyra Cooper. Pardon, je suis Kiki Cooper. Je serai sage.
Mais tu sais que j'ai trop si peur. C'est ça le tableau qu'il faut regarder. Ah bah déjà, la cuisine, bien joué. Allez, t'enchaînes. Stop making noises. Ah! Il y avait une autre charnière. J'ai jeté le fusible. Charnières. Comment ça t'a... J'ai jeté le fusible comme une... Pas ta fusible. Mets le fusible. Je l'ai jeté. Mais tu l'as jeté où? Ramasse-le. Je crois que j'ai jeté par terre devant la porte quand je l'ai ouverte là. En fait, je crois que je l'avais dans la main. C'est quoi ce bruit? Elle le ramasse, ça se trouve. J'ai lu 5 jours et c'est fini. C'est-à-dire quoi? Au bout de 5 jours, genre la partie c'est game over hein. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un peu les enfers cet endroit là. Tu vois? Tu vois, là, ça brille par terre, ouais. Ah, j'espère que ça save par contre la progression si on se fait choper. Je sais pas si ça... Oh, ça a l'air très compliqué oui. Comme jeu. T'entends? Elle est là. C'était c'est ça, vous avez 5 jours pour faire les quêtes. Et vous enfuir sans vous faire choper, sinon c'est game over. Oh bah là... Déjà on s'est pris une mort qui était pas méritée parce donc que cinq nous on morts, nous avait dit... On nous avait dit les 20, normalement c'est secure, bah là ça l'était pas. Hein. Mais c'est super compliqué comme jeu. Et on s'est mis en normal. On aurait dû se mettre en très facile, comme ça elle est aveugle et sourde. C'était... Et enchaînée. Genre ouais. Une chaise ou quoi, elle peut plus bouger. Mais c'est super complexe. Dans une pièce enfermée, j'en sais rien. Attends, juste à gauche quoi. Là-bas. Ah. Non, à gauche. Là, va à gauche. Voilà, là. Là, là tu vois, cuisine. J'arrive pas à la sonde comme il faut. Bah ouais, je l'entends très proche constamment quoi. Bah toujours plus de bruit hein. Ah, get out. C'est à droite. Attends, mais elle m'a vu. Ouais, non c'est là. Tu l'as jeté devant? Mais je crois je que c'est clic pas. Gauche ou E, c'est écrit interagir, je sais plus. Mais ouais, comment mais c'est je, chaud je de ouf? Ça me l'a jeté, je sais pas comment on le met. Oh, oh. Du coup, le fusible, là, il va rester ici ou pas? Bah je sais pas. Don't worry. I'll mais take care of you as you deserve. Mais par contre, on est d'accord, ça va rester ce qu'on a fait en progression. Je pense. Oh bah j'espère. Ouais, voilà, bah c'est bon alors. Il est juste devant, c'est juste que je sais pas comment le mettre dedans moi, mais ça tu le feras. Oh, un bouquin. On va pouvoir s'en servir. Tu fais quoi, je lui jette dans la gueule? Ouais, c'est à peu près comme ça que je m'en servirais aussi. Hein. Bah voilà. Easy. Allez, tu prends ça, tu le ramènes. Tu mets l'autre, on a mis les trois fusibles. Easy win, allez hop. C'est plié. Stop running now. Alors quand t'as dit stop running, ça veut dire cours. Oh non, on est foutu. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Cours. Cours. L'escalier, vite. Je sais pas où est l'escalier. Je sais plus. Moi je cours non-stop jusqu'à trouver ce que je cherche. Mais là tu tournes en rond toi, non? Je sais pas, je panique, Orse. Attends, Mathieu, comment t'as ramassé le fusible devant elle en mode... Attends. En train de ramper devant la nonne. Attends, mon fusible. Bah oui, là, l'escalier, tu vois. J'étais en mode, c'est notre chance ou pas? Allez, vas-y. T'es la meilleure. You can do it. I trust in you. C'est quoi la touche? C'est E ou c'est clic gauche alors? E apparemment. Ah bah voilà pourquoi je l'ai jeté alors. En fait, clic gauche c'est pour lancer, jeter ou attraper et E c'est interaction quoi. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas trop simple pour elle. La porte a fait, ah, beaucoup, porte de a fait beaucoup de bruit. Porte verrouillée, ok. Bah voilà, on est sorti là très clairement. Hein. Là, extérieur hein.
Putain, je pensais qu'on était libre, ça y est qu'on avait fini le jeu. Le problème, c'est qu'on peut pas relire les objectifs sans... Là, elle peut pas nous voir, techniquement. Okay. Ah, mais c'est tout ce qu'on doit faire. Eh ben oui. Je pensais qu'en fait, en gros, on avait un choix, tu vois, genre on sélectionnait notre façon de se barrer. Je pense pas, non. Oh oh. Ok, donc toutes les touches d'interaction, c'est eux. Il faut pas qu'on s'occupe de clic gauche. Oh putain. Why do you run away? I'll catch you next time, you'll see. Ils vont pas voler là. Pas non plus. Oh, une boîte à cookies. Non, même pas. Là, d'abord, c'est le tableau, je pense. Oh, le balai. Ah, l'objet long. L'objet long, c'est bon. Donc maintenant, il faut le tableau, je crois, dans l'ordre. Tu vois, et boîte à cookies, je pense que ce sera que la dernière phase. Enfin, je pense. Après, si on en voit une, on la prend. Mais... Par contre, l'objet long, pourquoi on en a besoin, du coup? Je sais plus. Parce qu'il parlait, vous aurez besoin d'un objet long, le tableau, tout ça, mais... Et ça, j'ai pas compris vraiment ce que c'était. C'est en mode pour nous indiquer... Ah, tableau? Non, tu m'as pas parlé d'un tableau? Ah, il pointe un truc vers le haut, hein. Ça. Vas-y. Mais comment? Oh. Ça va faire un bruit de malade. Mais donc tu vas me dire en fait les marques, c'est juste pour te dire vers où tu dois aller? Ah, tu crois? Je sais pas. C'est pas bête, hein. Et merde. Ah, parce que... Ah oui, d'accord. Ils t'ont fait taille réelle, c'est pour ça. C'est vrai que c'est très réaliste comme jeu. Il y a pas de doute là-dessus. Par contre, bah regarde, boîte de cookies, ça y est. Elle doit contenir quelque chose d'important. Impossible de l'ouvrir, peut-être faut-il la faire tomber d'un endroit le plus haut possible. Comme ça. Sans le pied de biche, no stress, je pense qu'on va le garder. Après j'avoue il y a des cadenas mais je pense pas que ça s'ouvre, donc ouais c'est vraiment les planches. Ouais. J'ai eu peur, je sais pas pourquoi dans ma tête, genre je voyais un pied de biche, une porte vitrée, j'ai eu un peu peur. Oh. Peut-être pas passer par là, en quoi que elle rampe partout. En vrai non mais ça tu l'utiliseras pas pour te planquer, mais genre s'il y a de suite, si tu la fais passer par là, elle va perdre du temps et je pense qu'il y a moyen de la bait, déjà c'est cool. Ça n'avait pas de place pour faire tomber l'objet. Attends, c'est quoi un balai qui... Ah, c'est un autre balai. Ah, en fait, tu te trouves à plusieurs endroits pour un. Ok. Et what? Oh putain! Ah, vas-y, c'est pas la même pièce. Vas-y, je pense. Par contre, reste pas accroupi après, hein, parce que elle est dessus, elle va aller beaucoup plus vite. Hein. Reste pas accroupi là. Genre là, tu peux. Ah! Quoi ce bordel? Bien vu. Ça, on l'attrape comment? What? Bah, pour moi, ça sent bon. Genre, c'est une nouvelle zone. Je pense que c'est bien. T'avais un. Là, tu pouvais pas t'accroupir derrière? Ah, t'as vu un truc? Genre à gauche. Vas-y, slash, vas-y. Là? Bah, t'as raison. Regarde, s'il y a rien sur les pierres, tu peux pas casser quelque chose? Ok. Mais bah quoi ça cet endroit? Ah, c'est très sombre par contre. Quel est l'intérêt de venir là s'il y a rien à faire, tu vois? Ça me paraît bizarre. Peut-être juste planquer, mais. Elle est là. Ah bon? Je sais pas, j'ai entendu marcher à moins que c'est. Ah non, moi aussi, mais j'ai cru que c'était moi. Mais non, t'as raison, ça doit être elle.
Si c'est là, on est mort. Ouais, celle. Bad kids like you end up underground. Ah non, elle m'a vu. Ah, je suis mort, elle m'a vu. J'espère qu'elle peut pas passer là. Pourquoi t'as acheté le pied de biche? C'est pas ce que je voulais faire, je voulais la taper avec, d'accord. Oh, c'est mis à jour la quête. Ah? Ah non, c'est par rapport au pied de biche. Ah, super. Ah ouais, elle oriente son marteau vers ma gueule quand même. Hein. Oh. Oh putain, comment j'ai eu peur! You're a high school with good girls and boys. Par contre, elle va me laisser le pied de biche ou pas? Parce qu'elle est en mode joue pas avec un pied de biche, mais si elle me le laisse, c'est idiot, non? Mais c'est horrible. Par contre, hein. Jour 4, hein. C'est-à-dire que là. Après, il nous reste qu'un objectif à accomplir, mais il nous reste qu'un jour aussi pour le faire. Donc, c'est quoi? Là, je te laisse faire parce que là, je commence à paniquer. Le problème, c'est que quand je panique, je me fiche des fois. Bah, c'est à cause de moi qu'on est mort, hein. C'est que je nous ai bloqué. En... Enfin, ouais, non, c'est toi qui es descendu, mais c'est moi qui nous ai bloqué. C'est moi qui suis descendu. Bah, je pensais en plus que ça sentait bon en descendant. On l'a plus. On a plus le pied de biche. On a plus le pied de biche. On l'avait pas droppé hein, quand elle nous a. Mais attends, mais on recommence ici. Ah non, mais moi, il va y avoir un problème, c'est l'orientation, par contre. Oh, il y a la musique là. Ouais. Après, vu qu'on a plus le pied de biche, c'est quoi cette... Oh putain, ouais. Le pied de biche. La boîte à cookies. On va retourner chercher le pied de biche. Je sais pas où il est. C'était pas au-dessus. Je sais plus, c'est comme un petit cul de sac en plus. Ah, je l'ai pas mais vu alors, là. Moi non plus. Je l'ai absolument pas vu. Hein. Ah, c'est ici, hein. Mais c'est horrible. Parce que là, tu vas me dire, en gros, on a le dernier objet là, juste là, et... C'est quasi win. Bon, après, il faut lâcher de je sais pas où, mais. Non, mais ça, c'est hyper dur. Hein. Tu sais quoi? Ça se trouve, si on était en facile, on n'avait pas les jours. Non, mais après, on s'est ruiné un jour, hein, je te rappelle. Mais oui, parce que tu sais que moi, quand ça a mis jour 2, je pensais que c'était dans le scénario. Oui, moi aussi. Mais du coup, on s'est ruiné un jour, tu sais, quand on se fait griller dès le début, bêtement, parce que j'avais pas compris qu'elle pouvait aller là-dessous et tout, et voilà. Et là, le souci, c'est qu'il faut que tu redescendes dans une zone qui est pas safe du tout, parce que si elle y descend, on a aucune cachette. Quoi? Tu vas vers elle, là. Mais je peux pas courir? Putain, c'est vrai. Non, on peut pas courir, toi. Dans ma tête, je pouvais courir. Putain, elle vient de remarquer. Par contre, t'as totalement couru mal, hein. Oh, ils sont quand même chauds pour le fantôme. Hein. Bah, vas-y, go fantôme alors. On essaye comme ça. Vas-y. Ça se trouve, imagine, elle nous voit totalement. Moi, j'ai trop peur. Hein. Par contre, genre, ça, je pense que ça devait faire du bruit à chaque fois que t'enlèves un des trucs, c'est ça? Bon, après, tu pouvais les enlever vite, mais là, à tout moment, sur le vrai jeu, tu te fais choper quoi quand tu récupères ça. Ouais, voilà. C'est ça. Normalement, en fait, je pense que tu dois enlever, tu sais, un par un. Ça doit être horrible. Et tu dois essayer de te planquer entre temps, revenir le relever. Je pense que cette phase est difficile à faire. Is that... Putain, mais. Le but, c'est de s'échapper de ouais. L'école où on est. Attends, on a fait ça? Ah! Ah, bah, vas-y, balance. Hein. Attends, je peux peut-être. Balance prendre dans le Ah, il y a une échelle! Ah, oui. Ah, bah voilà, je prends de la hauteur, je balance ça. Ça dégage, hein. Ah, oui, c'est vraiment. Attends, je peux balancer encore une autre échelle. Encore une autre échelle. Non, non, attends, attends. T'as une autre échelle encore. Ah ouais. Je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout. Dans le doute. Mais attends, encore, là, c'est encore, il y en a avoir d'autres. Oh, oui, ouais, t'as raison. À gauche. Allez, hop. Oh, la cheminée. Ah, genre là-dedans, là c'est... Non, mais c'est là que... Ah, t'as raison. Et on récupère ça dans le basement. C'est à ça que servait le basement, du coup. Ah oui, d'accord. Vas-y, saute aussi. Ah. Je peux pas y aller, moi. On dirait que la boîte, ouais, c'est non, tout non, par contre. Ça va faire tout le tour. Ah ouais, non, mais en fait, ok, on était vraiment loin encore. Ça servait à ça, en fait. En fait, il nous restait quand même beaucoup de choses à faire. Ouais. Je descends comme ça, hein, je suis assez forte, t'as vu. Mais en fait, c'est... mais le jeu, par contre, il est très très chaud, t'en penses quoi? Je pense qu'elle se bait quand même assez facilement. C'est surtout, il faut éviter les cul-de-sac, quoi. Faut descendre par où, c'est tu te souviens ouais. Ah là. Ouais, en fait, pas, le coût genre, des 5 plus... jours, je trouve ça trop punitif. Ouais, c'est ça, c'est très peu. Tu peux pas beaucoup te faire choper, donc il suffit qu'elle soit un angle de truc que tu l'aies pas vu ou quoi, et ça arrive vite, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est faisable quand même, ouais. Tu te souviens où il était, le basement? Ah bah. Ouais, là. Ouais, juste là. Oh! Non mais... Bah oui, mais j'y peux rien, on se croise. J'ai eu trop peur. Par contre, ça c'est le problème. Tu vois, là, dans le vrai truc, très clairement, c'est un move où tu peux pas
s'en sortir sans ketchup parce que ça, tu la croises dernier moment en fait, et elle fait vraiment pas de bruit. Journal de quête mis à jour et la clé de la porte principale. La clé, ouais, t'avais une porte principale à un moment où t'avais une clé. Ah, tu l'as vu ? Du coup, ouais, on est passé devant, je crois, à un moment. J'avoue que jamais on l'aurait terminé là. On voit une porte où c'est écrit Exit au fond. Ah bah oui. Retourne vers là où tu allais sur le toit. Ah bah oui, je me là. Allô. Là, c'est où en fait ? C'est le mec qui est là-dessus. Allô. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Cours, cours. Bah non, on est invisible. On peut attendre et profiter. Non mais qu'on regarde la cinématique, comment ça se... Ah d'accord. Ah mais du coup, est-ce que c'est une bonne ending ou pas ? Oh là là, comment elle est horrible. Bah du coup, oui, je pense. On se fait écraser, fin de l'histoire. Non, regarde, elle vient pas, on est tranquille. Je sais même pas pourquoi on court d'ailleurs. Là, nos parents viennent nous chercher, ils nous revoient là-bas en mode non, mais tu vas finir les études là-bas. Là-bas, c'est tout. Oui, j'ai dit cette école est bien plus animée qu'elle n'y paraît. Donc on s'est échappé ? Oh non ! Ah, j'ai cru qu'elle allait lancer le marteau. Attends, quoi ? Me dis pas que c'est pas terminé. Parce que de base, on t'envoie cet été là-bas, mais du coup... c'est une école, donc je suis pas sûr que ce soit pour des vacances. Ouais. Attends, comment ? Uniforme, vêtements... Dis-moi qu'on s'est barré. Utilisez cette rampe pour accéder à de nouvelles zones au raccourci de l'école pour vous échapper avec le van. Ah ! Ah, donc de faire une sortie, ça te permet de pouvoir refaire le jeu et sortir autrement la de trouver fois. Un moyen de t'échapper, du coup, j'imagine. Ah, mais donc en fait, ça rajoute vachement de jouabilité. Terminer l'évasion en mode fantôme, bah ça, c'est ma spécialité. Hein. Bon. Eh bien, c'était fort sympathique. Bah, c'était pas plus mal de le faire en fantôme parce que finalement, t'as tellement de rejouabilité que ouais, ça te permet un peu de connaître la maison. Tu débloques une autre fin, quoi. Mais bah est-ce que ça veut dire que, au niveau des objectifs, c'est quoi ? Genre, la prochaine partie qu'on va faire, ils vont nous donner un autre objectif ? Genre, d'avoir l'autre fin directe ? Attends, je fais juste continuer pour voir. Ouais, t'as raison. Je fais juste continuer pour voir. Mais ouais, je vois justement. Ah, bah voilà. T'as raison. Tout a changé. Donc en fait, tu continues ton aventure. En gros, il faut faire plein de fins d'affilée. Donc en vrai, le jeu, il est rapide, entre guillemets. Enfin, il est quand même pas évident, donc pas si rapide. Mais dans l'idée, si tu speedrun le truc, c'est rapide de le faire une fois. Mais en fait, après, t'as nouvelle extract, nouvelle. Donc en fait, le jeu est long si tu cumules tout ça, quoi.